Thank you.
Allô? Hello. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais louper entièrement la saison Halloween, non? Entre deux courses et la veille d'une course, je viens quand même ici. La course que vous avez déjà vue, qui était Odyssea. C'est pas le sujet de la vidéo? Le Lucky Nugget, je sais qu'il n'y a toujours pas de spectacle, ils ne veulent pas m'entendre avec ça, c'est pas grave. Il y a un menu, si c'est grave. Bon, il y a un menu qui m'intéresse énormément, tu avais montré le premier jour d'Halloween. C'est grâce à moi qu'il peut manger le Voilà, menu. il y Je suis a... fière. Bien sûr, vous avez tous vu la vidéo, hein, sur le premier jour d'Halloween. Il faisait 45 degrés. Voilà, aujourd'hui, on a un très beau temps aussi et on va déguster des bonnes choses. Exactement. Il y aura d'autres choses hein, concernant Halloween au Oui. fil des semaines, notamment avec ma personne. J'aurai autre chose à découvrir. Là, le petit tour qu'on vient de faire, c'est toujours un régal, démarrer avec Phantom Manor. Faire Big Thunder, Phantom Manor, c'est sympa. Là, on est sur Halloween, donc on avait envie de partager ce côté Halloweenesque, entre guillemets, parce que c'est à l'année avec Phantom Manor, Fricouillasse. Boot Hill, qui est un endroit que j'aime énormément. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment génial On ici. se sent bien à Boot Hill, on retrouve des membres de la famille qu'on avait perdu de vue depuis très longtemps. D'ailleurs, il faudrait que tu rentres le chien, parce que là, depuis tout à Mais c'est l'heure, il y a parfait. quelques guests Ça qui sont un suffit peu en maintenant, flip. chouchou. J'aime bien voir tout le temps des guests qui n'ont pas l'habitude qui sont là, qui regardent. Je me Et demande si à un moment ils se disent, est-ce qu'il y a vraiment un loup qui va arriver? quand tu passes à côté d'un tombeau et que t'entends quelqu'un taper, il faut que tu Là, cours. oui. Bah, j'ai vu des gens là qui étaient en train de mettre leur oreille dessus. Après, c'est un endroit qu'il faut vraiment découvrir aussi le soir. Bien sûr, C'est un nocturne. Ce super sera cool. pas dans cette vidéo pour ce qui est le Non. nocturne, parce que je passerai peu de temps pour aller manger et après je m'envole. Il y a deux choses, j'ai un petit peu vous parler par rapport à Halloween ici, parce qu'il y a des choses que j'aime énormément. Et j'aimerais pas trop que ça change en fait, parce que ça me fait un petit peu peur les changements à l'heure actuelle. Donc pour ce qui est de la parade Halloween, ça fait des années qu'elle est là. Il n'y a pas eu un renouveau, il n'y a pas eu une évolution. Eh bien je dis tant mieux. Moi j'adore cette parade. Je trouve que d'un point de vue artistique, qualitatif, c'est de loin la meilleure parade qu'on a depuis des années sur le parc. J'aime beaucoup la parade de Noël qui est arrivée en mode diurne ou nocturne. C'est vraiment quelque chose de différent, mais c'est les chars. Je ne peux pas dire que j'apprécie vraiment ce qui est fait au niveau des chorégraphies. Mais les chars, voilà, c'est magique, c'est sublime ce qui se passe. Pour ce qui est de la Stars on Parade, malheureusement, ça fait des années qu'elle est mourante. Et les parades, que ce soit 1 million splashes noir et blanc, ou alors ce qu'on a eu pour l'anniversaire, je trouve qu'on est vraiment au niveau zéro de ce que Disneyland Paris peut offrir normalement. Cette parade Halloween, elle est juste grandiose. Que ce soit le char, mon préféré, par rapport à Phantom Manor, avec les personnages de la scène du bal qui prennent vie devant nous, les chorégraphies sont géniales et différentes. Si vous regardez bien, il y a tellement de chorégraphies dans la même parade. Je trouve ça absolument incroyable. Une diversité en termes de personnages. On aimerait en effet voir peut-être plus de méchants dans cette parade-là. C'est pas grave, les méchants sont en balade en Fantasyland. Donc moi, je trouve ça vraiment génial. Il y a une môme, on lui demande de poser avec un monsieur citrouille. Elle fait des hurlements, elle est à fond dedans. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas envie qu'elle bouge, cette parade. Parce que j'ai peur, avec ce qu'on nous a proposé les dernières années, c'est tellement drainé vers le bas en termes de qualité artistique, que je me dis, si on a une nouvelle parade Halloween qui est dans la mouvance de ce qu'on nous propose récemment, ça me fait vraiment flipper. Je parle bien en termes de parade. Le show Alice, j'ai trouvé ça innovant et génial. Malheureusement, il n'a pas trouvé son public. Together est génial. En termes de parade, on ne nous offre pas de la qualité depuis plusieurs années. Depuis la réouverture, en fait. Hein, voilà, l'anniversaire, tout ça, tout ce qu'on a eu, c'est vraiment bas de gamme. Donc, voilà. Ça ne bouge pas. Eh ben, c'est peut-être très bien. C'est peut-être un mieux. J'espère me tromper. J'espère qu'un jour, on aura une nouvelle parade Halloween et on va s'en prendre plein la tronche. Ça va être spectaculaire. Mais là, voilà, j'y crois pas trop à l'heure actuelle.
Donc celle-ci, elle est géniale. Je ne me lasse pas de la voir, de la revoir. Pour moi, c'est un bijou et la meilleure à l'heure actuelle. Chaque année, des youtubeurs sont abandonnés devant des pas de restaurants ou dans des zones perdues de Disneyland Paris. N'hésitez pas à contacter SOS, Aide ton youtubeur. Vous pouvez faire un don pour financer leur menu, pour financer à ce qu'ils trouvent une nouvelle chaîne éventuellement, et qu'ils ne soient pas abandonnés comme ça lamentablement devant les portes d'un restaurant qui est fermé, mais qui ne devrait pas tarder à ouvrir. Et c'est bien parce qu'il n'y a personne. Généralement, quand on commence à faire la queue, des gens arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais peur aux gens? Ce sont tes oreilles? Oh là là, les gens t'ont pas reconnu. T'es caché, d'accord. T'es muette? T'as vu Tic et Tac, donc tu dis plus un mot. Tic et Tac en mode fantôme, on les avait déjà eu. Premier jour d'Halloween, tu les avais pas fait. Tu voulais à tout prix les faire là. Et il y a un petit côté, en effet, chocolat Milka dans leur costume de fantôme. Incroyable. Allez, on va retrouver Tic et Tac et ensuite, on va retrouver mon bidou, mes papilles et une bonne gamelle. Il n'y a pas de souci à défaut. Ah bah oui, c'est la période. On s'aimait tous. Parfait. Un petit dernier, allez, on se rapproche. Fais le câlin de l'eau. Parfait, merci. Super, génial, vous êtes les meilleurs. Ah, je crois qu'il y a... À 4. À 4, on fait la photo. Allez-y. Allô les gars. Ça va? Salut, comment ils sont? Vous êtes prêts? Merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Yes. Yes. Sublime. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Les plus beaux. Cocotte aux chocottes, volaille farcie, patates douces rôties au paprika fumé, haricots rouges et pommes de terre vitellotes. Sauce barbecue aux érelles, pardon, et sablé salé au charbon végétal. Je suis là. Par contre, là-bas, il y a Zorro. Mais toujours personne sur scène, c'est une scène vide. Vous savez ce que j'en pense. Fantastique. Donc, regarde comme c'est présenté. C'est génial. Ça fait festif. Il y a même un côté Noël. Et je pense, comme c'est une viande farcie, une volaille farcie, c'est quelque chose qu'on peut peut-être retrouver à Noël, sans la chauve-souris. J'imagine. C'est sûr. Voilà, mais c'est des super. Couleurs, parce que là, on est dans du orangé. Ça sent bon. Dans du automnal. Et j'aimerais attirer l'attention sur un fait. C'est un menu exclusif pour Halloween. C'est bien quand on a des menus exclusifs. C'est bien quand t'es avec donc ta femme qui tient la caméra, quand t'es avec des amis et qu'il y a des menus Halloween, mais que personne. Et c'est un scandale. Regardez ce qu'ils ont. Des hamburgers. Même pas Halloween. Regardez-les. Il n'y a pas d'hamburger Halloween. Regarde, voilà, des pieds tendres. Si, mais pas ici. On a un menu spécial Halloween. Mais c'est pas un volaille farcie. C'est pas la tête. Peur, non, c'est pas peur. La tête. C'est la chauve-souris, ils ont eu peur. T'as eu peur de la chauve-souris? Ouais. T'as eu peur. À un moment, il y avait un œil en dessert. C'est vrai. J'ai vraiment eu peur de la chauve-souris. Je n'en dis pas plus. C'est un mini-tease. Un mini-tease. Dans le futur, dans un futur lointain et pas si lointain que ça, ces deux-là, vous allez les voir souvent chez All Your Dreams. Ouais. Je n'en dis pas plus. On dit rien. Cogiter, ça vous fera du bien. Maintenant, je mange.
Est-ce que c'est bon, mon petit Christophe? C'est super bon. Super bon. Définitivement, ça fait très Noël. Noël? Oui, ça fait très Noël. La volaille farcie, ce qu'on a avec là, le mélange fait très Noël. D'accord. En tous les cas, c'est bon. Oui. Et j'insiste, tu enlèves la chauve-souris, tu resserres le même plat, ça passe nickel pour Noël. Oui, avec un peu plus de verre. Je crois que j'ai dit Noël. Hein. C'est une vidéo Halloween. T'as dit Noël, j'ai dit ou Noël pas? 10 fois. Noël. Ouais. T'as pas dit Noël? Non, Christmas. Non, et j'aime bien, servi là-dedans, ça fait très traditionnel, on est au Lucky Nugget. C'est une cocotte. Ouais, c'est une cocotte. Cocotte-chocotte, qu'ils appellent ça. Ah, c'était ça, la cocotte-chocotte, oui. Et oui, parce que t'as peur, les chocottes. T'as des gens qui connaissent pas les anciennes Alors, expressions. Parmi vous, n'hésitez pas dans les commentaires, faites une description. Je ne sais pas ce qu'est la peur, donc si vous pouvez m'expliquer. Les gens ont essayé de m'expliquer, je n'ai toujours pas réussi à comprendre. C'est reparti sur la peur. Allez, allez, encore. Non, t'inquiète. Non, non, rien. Non, je t'assure, tu vas-y. Tu veux avoir peur? Non, non, il fait super peur. Qui est en train de gagner, le petit. Quel stress. Regarde-moi. Vas-y, je vous laisse là-bas. Tu vas le remercier. C'est mon fils. Vas-y, bois. Oh, il est extraordinaire. Devant sa mère, tu lui fais ça, bravo. Je suis encouragé par sa mère à le maltraiter. Le dernier déjeuner qu'on a fait ensemble, c'était déjà épique. J'invite tout le monde à revoir cette vidéo. Non, il y a un an. Non, pourquoi revoir? Oui, allez revoir la vidéo, faites des vues, c'est bien. Extrait. C'est classe. De plus, c'est super bon. Tampon hollandais, même si c'est pas un hamburger, je le valide à 100%. C'est festif. Un son des frissons glacés, glace parfum, vanille, coulis de potiron et caramel beurre salé. Éclat de Doritos et coque de macaron. Miam, 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 miam. Il y a des Doritos dedans. Je suis pas prête pour le Doritos, moi. Des Doritos? Oui, Doritos. C'est chouette la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est sympa. L'aspect est sympa, c'est sympa. C'est Halloween-ness. Bon, bah, tu vas goûter ça. D'habitude, une nouvelle, il y a une sorte de coulis noir, mais ouais. C'est jamais très populaire. Donc là, ils sont allés sur du orange, ce qui fait citrouille. C'est vrai. Pumpkin. Pumpkin. Et les citrouilles, ça fout la trouille. D'accord, il faut goûter. C'est bon? Oui. C'est marrant le Dorito qui croustille avec le sundae en dessous. Franchement, ça se marie super bien. Ah d'accord. Ouais. Ça donne un côté salé en fait. Sucré salé, moi j'ai pas de problème avec ça. J'adore le canard à l'orange, le porc à l'orange. Non, ouais, nickel. Terminé le sundae. Alors, c'est pas mon préféré dans ceux que j'ai pu prendre ici. Les autres années, j'avais une préférence pour eux, côté chocolat peut-être, mais ça mérite d'être différent. Un goût nouveau, un peu sec. Le côté macaron qu'on a, mais c'était très très sec. D'accord. Mais voilà. Et par contre, c'est bien, c'est correct. Le menu en soi, moi, je valide. Moi, j'ai adoré. Okay. J'ai adoré. En tout cas, la cocotte-chocotte. Ça, c'est mon gros coup de cœur. Toujours le plaisir de revenir au Lucky Nugget et d'avoir un menu spécifique pour Halloween, pour Noël. Toujours agréable. Je veux des spectacles sur cette scène. Mon Dieu. Alors le menu, bah, bon, voilà ce que j'ai dit. Moi, j'ai bien aimé le plat, le sundae, voilà. Pas mon coup de cœur, mais c'est bien. C'est différent, moi. C'est l'avantage, c'est que c'est différent, c'est ça que j'apprécie. Quand on essaie de faire des choses différentes, et de sortir un petit peu des sentiers battus, notamment voilà, un sundae avec des petits morceaux de Doritos dessus, ça va bloquer beaucoup de personnes, ce qui fait que ça va pas forcément être quelque chose de très populaire, on s'en doute, mais moi j'aime bien, ça c'est l'originalité. Juste à côté de Coco, vous avez le Stagecoach Station, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire la queue parce que nous allons déguster les churros de los muertos. Voilà, ils sont tout seuls à 6,50. Regardez comme ils sont beaux.
Voilà. Et sinon, vous avez toujours à 8 euros la pause goûter avec une boisson chaude ou une boisson fraîche. Très, très sympa. Alors, attention, pour ceux qui aiment la crème fouettée, c'est pas les mêmes choses. Ceux-là, c'est les 100% sucre. Ceux-là, ils sont avec crème fouettée. Ça ne rentre pas dans la pause goûter. Pour goûter, c'est que au sucre. Voilà. Donc voilà, couleur d'Halloween, très sympa. Donc c'est au sucre. Quand on les prend individuellement, on peut avoir avec la crème fouettée. Et ça, c'est en chocolat blanc. Attends. C'est chouette. Parce que moi, j'ai pris la pause goûter du coup avec chocolat chaud. C'est chouette qu'il soit de cette couleur-là, les churros. Du ouais, coup. Ça, c'est bien. C'est bien de savoir que cet endroit aussi, ils thématisent. Est-ce qu'il y aura quelque chose pour Noël? Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que là, ça s'y prête avec Coco, vu que c'est l'endroit, bien sûr. Sympa. Allez, va, allez, va. Voilà. Alors, attention, c'est du chocolat blanc. Ça ramollit vite, hein, contact des churros. C'est pas juste extérieur, hein, c'est entièrement noir le churros. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peint les churros, c'est vraiment des churros complètement noirs. Non mais. Pour y avoir une sorte de colorant juste à l'extérieur, quand tu croques l'intérieur, c'est une couleur de churros normale. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai craqué, j'ai pris le Spirit Jersey que tu avais montré avec les méchants. Surtout ce qui m'a attiré, Hades, mais il y a Tchernabog. Ouais. J'aurais préféré qu'ils soient en bleu que ce rouge. C'est plus proche de sa couleur d'origine dans Fantasia. C'est vrai. Mais bon, ça fait comme si voilà, il était fax. J'adore. Très beau, il est très très beau. Ouais, c'est un personnage rare, ça vaut vraiment le coup. C'est un beau Spirit Jersey. Surtout qu'on en a parlé longtemps d'un Spirit Jersey avec les méchants. Avec un fond simple, tout noir, pas trop de choses, pas trop de fioritures. Il est vraiment magnifique, il se suffit comme ça. Très beau. Donc le menu du Lucky Nugget, allez-y. Impeccable. J'aurai pas ma photo déformée. Pas la tienne. Non, il y a peut-être pas. Une prochaine fois quand je vais pouvoir revenir. Et Ticket Tag va toujours, voilà, top, 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 top ici. Ainsi se termine cette vidéo. Ça va être toi la prochaine fois. Prochaine fois, c'est moi. Il y aura et je reviendrai. Du nouveau merch, il va le revenir. Bien écoute sûr. Les fantômes. Il va venir avec son nouveau jersey, bien sûr. Et bah surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner, vous n'oubliez pas de mettre des commentaires, de mettre des pouces, de vous abonner aussi si vous voulez sur nos réseaux sociaux pour rester avec notre actualité. Et puis merci à tous ceux qui nous ont dit aujourd'hui bonne course demain. Yes, voilà. C'est la vidéo que vous avez vue au Odyssée. Voilà. On vous embrasse très fort. On vous fait des gros bisous.